Bon les gars, nouveau guidon monté. Bientôt de retour sur les routes. Ah oui, puis tant qu'à faire de la remontée. Hop là, j'ai pris cette pièce là en double pour pouvoir intégrer les ports USB directement sur la moto. Bon bah voilà, la moto est quasiment toute remontée. Il manque plus qu'une bulle, un carénage ici, parce que c'est celui qui a eu l'accident, qui est tout, il est tout cassé, mais bon, ça va faire le taf en attendant. Puis voilà, ça fait plaisir. À bientôt de retour sur les routes. On va remettre la selle. Et voilà. Bon, du coup, je vais pas remettre les poignets, hein, vu que le cadre, les fixations sont tordues. Mais bon, ça lui fait une petite gueule, quoi. Bah les gars, donc la rénovation, la remise en état du Bandit poursuit. On se retrouve en bagnole, je crève de chaud. Je sais pas si vous allez voir, mais il fait 28. Et là actuellement, donc vous avez vu, je vous ai mis la story Insta dans la vidéo juste avant ce passage. Donc la moto est quasiment prête là, donc il me reste en gros le pot d'échappement et j'ai trouvé un pot d'échappement d'origine. Donc je sais pas si le bruit sera autant au rendez-vous qu'avec l'ancien pot, mais j'ai trouvé un pot d'origine à côté de Vannes. Donc ça va coûter un petit billet, enfin ça va me coûter limite plus cher d'y aller que le pot. Le pot je le paye 35 €, donc clairement c'est une affaire. Et puis ça va remettre la moto encore plus d'origine, parce que je vous ferai un petit tour juste après. Je vous ferai un petit tour de la moto, dans quel état elle est maintenant vraiment. Alors il y a des travaux, E-Ways, effectivement il y a des travaux. Et donc c'est pour ça que là je vais chercher le pot et puis je le remonte. Et puis la moto sera prête à rouler, il manquera plus que la bulle, comme j'ai dit dans la story. Mais bon ça, je sais pas comment je vais en trouver une. J'en avais trouvé une mais elle était dans un état vraiment dégueu. Et je l'ai pas prise, et en y repensant j'aurais peut-être dû la prendre et puis après mettre du film, genre du film comme pour les voitures là, du film noir ou un truc comme ça. Donc il va falloir que je revoie ça. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, salut les mecs. Et ouais les mecs, c'est petit pendu, ouais, je m'emballe. On est de retour en moto, ça y est. Enfin ça y est, on va dire qu'elle est à... vous le voyez déjà. Elle est à 80% quoi. Elle est à 80%, mais clairement, putain, ça fait du bien. Je vous dis honnêtement, ça fait grave du bien. J'ai toujours les mêmes sensations. Et ça fait plaisir. Clairement les mecs, enfin. Là je tourne ça, on est le quoi? On est le 27 juin, donc ça fait un mois et 5 jours que j'ai pas roulé. Et putain ce que ça m'avait manqué. Je vous jure que ça m'avait manqué. Et de ouf, surtout avec le temps qu'il fait en ce moment, genre tous les jours il fait 28, bah laissez tomber. C'est un délire. C'est un délire. Oh là là. Bon, il y a eu des petits changements forcément sur la moto. Déjà, nouveau guidon, il est plus large. J'ai pas forcément fait gaffe en l'achetant. On m'a dit, ouais, t'inquiète, c'est de l'adaptable, Bandit 96, c'est ça. Ah bah gros, déjà il repique comme ça. C'est assez chiant. Mais bon, ça encore, ça, je vais m'habituer. Mais surtout, ouais, il est plus large, quoi. Genre, je pense qu'avant, j'étais là. Je sais pas grand-chose, hein, c'est 1 ou 2 cm, mais... Putain, j'allais regarder dans le rétro, mais... Eh, j'ai plus de rétro. À droite. C'est pas grand-chose, hein, le nouveau guidon, mais... Mais le peu qu'il y a, bah, je le sens. Et c'est surtout le fait qu'il soit comme ça. Incliné vers le bas. Mais bon, ça... Oh là 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 là. Sinon, quoi d'autre? Donc oui, j'ai toujours... Comme vous avez vu dans la story Insta juste avant, j'ai pas retrouvé de bulle encore. Bon, bah, en attendant, on roule comme ça. J'espère qu'au niveau du micro, ça fait pas trop de la merde, du coup. Enfin, y a pas de raison, mais... Donc j'espère qu'au niveau du micro, ça fait pas trop de la merde. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc du coup, j'ai plus de rétro à droite, parce que le rétro droite, je l'ai passé à gauche. Parce que c'est quand même mieux de voir si on se fait dépasser que de voir là. Là, on tourne la tête et on est bon. Sinon, quoi d'autre de neuf? À l'avant, il n'y a rien. Il y a juste guidon. Ça qui n'est pas changé. Pas de bulle et il manque un rétro. J'ai remis les embouts de guidon quand même parce qu'il faut pas déconner. Et vous devez entendre depuis tout à l'heure, le son n'est pas du tout le même.
Ah bah toi, vas-y, fais-toi plaisir, vraiment. Le son n'est pas le même et c'est normal, Jamy, c'est normal. C'est parce que j'ai changé de peau. Ça, c'était pas prévu. C'était absolument pas prévu, le changement de peau d'échappement, mais... Mais disons que, en fait, je vais vous expliquer. L'autre fois, j'ai trouvé, quand je cherchais des pièces, j'ai trouvé donc la platine qui est là. Avec la platine, j'ai pris donc un passage de roue. Et j'ai pris quoi d'autre au gars ? Passage de roue, platine, et je sais plus, enfin un autre truc. Et c'était le truc le plus important que j'ai oublié. Et en gros, je me suis fait plaisir, donc j'ai pris la platine et un passage de roue. Et le passage de roue, j'ai pris un œuf, enfin un œuf, un d'origine, avec les gros clignotants et tout, sa mère. Sauf que du coup, ma petite ligne XI, le passage haut là, qui passait sous la selle proprement, et bah, la passe plus. Avec le nouveau passage de roue, ça passe plus. Alors du coup, j'ai été obligé, et puis moi ça me dérange pas, enfin, je veux dire, le bruit, là je l'ai écouté un peu, le bruit est quand même pas dégueu. C'est pas un bruit du diable, mais c'est le bruit d'origine, c'est le vrai bruit du bandit, quoi. Ouais, je voulais vous faire écouter ça tout de suite, vous allez mieux comprendre, et vous allez voir. Donc le passage haut, j'ai toujours le réflexe de regarder à droite, hein. Hop. Tring. Et donc ouais, le passage haut fait que... J'ai l'impression d'être sur un chopper maintenant. Bon, ça lui fait une gueule particulière. C'est spécial, mais ça passe. Et donc vous voyez le passage haut. Vous voyez là, on voit les traces des essais que j'ai fait avec mon autre pot. Et vous voyez, ça passe pas du tout. Donc du coup, on a un pot d'origine Suzuki. Il est magnifique. Honnêtement, là, il est un peu sale. Mais il est dans un état neuf. Et il chante pas trop mal, je veux dire. Ça va, y a pire. Honnêtement, y a pire. Donc du coup, voilà. Et puis, du coup, hop, on va cacher la plaque. Donc là, la bavette avec les bons vieux clignotants sa mère. Et là, les trous des anciens clignotants. Mais bon, ça, pour l'instant, j'y fais rien. J'y touche pas. On verra plus tard. Donc voilà. Là, je n'ai point de fuite. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis ça fait une petite casquette encore plus spéciale sur le compteur. Salut l'ancienne. J'ai raté mon embrayage. Ah oui, et du coup aussi, vous avez peut-être remarqué, je vous ai dit, il fait 28, il fait grand soleil, tout ça. J'ai les gants d'hiver, sa mère. Pourquoi j'ai les gants d'hiver? Parce que pendant la chute, j'ai coupé, je vous avais montré. Et du coup, j'ai des nouveaux gants qui arrivent, mais il y a un mois de délai d'attente. Ouais, je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo, les gars. Je suis comme ça, moi. Je vous laisse pas, je vous fais un petit teasing, mais ne vous inquiétez pas. Oi, oi, oi. Je vous fais un petit teasing, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos en temps et en heure. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que mes gants, là, ils vont mettre un mois à arriver. Parce que ils sont un peu... c'est particulier la manière dont je les ai obtenus. Tout ce que je peux vous dire, c'est... Ah, mais j'avais pas vu, mon compteur il est tordu aussi là. Il y a un écart. Bon, c'est pas grave. Tout ce que je peux vous dire, c'est un petit indice. C'est Lord Puma. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. C'est tout ce que je vous dirais, c'est mon petit pote Lord Puma. Voilà. Donc maintenant, ceux qui sont intelligents vont vite comprendre. Et ceux qui sont pas, pas que vous êtes pas intelligent, mais réfléchissez un peu moins, ou peut-être même vous suivez pas Puma, hein, c'est possible aussi. Hein. Et bah du coup, vous le saurez en temps et en heure. Et en gros, là, j'ai dit tout à l'heure, on est 27 juillet, 27 juin, on est le 27 juin, bah ça, je reste ça le 27 juillet, donc on verra ça, à peu près le 27 juillet, fin juillet, quoi, il y a à peu près un mois de délai. Pour les gants. Et non, j'achète pas des gants sur Wish. Allez vous faire enculer tout de suite. Tiens, je vous rote à la gueule. Je peux vous dire qu'avec la chute, même à 30, dans un rond-point que j'ai pris, ça me fait encore plus prendre conscience de l'équipement. Hein. Je me vois même plus rouler
Enfin, je comprends même plus comment il y en a qui peuvent rouler sans gants en fait. C'est vraiment impressionnant. Comme même à 30, une paire de gants, ça peut vraiment te sauver les mains quoi. Alors là, je me remets en confiance petit à petit, hein, et c'est pour ça aussi que je prends pas la voie express. C'est pour pouvoir reprendre confiance sur la moto un peu. Parce que faire de la ligne droite sur la voie express qui est à droite là, ça sert à rien. T'as pas roulé depuis un mois, là je vais là, ouais, je vais être là, ouais, trop bien la vitesse, mais ça sert à rien. Là c'est intéressant. Là. Parce qu'en plus, faut que je réapprenne un peu à guider ma moto, parce que avec ce nouveau guidon, eh bien, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ça filme toujours. Oh, ouais, attends. Ah, coucou! Mais il faut que je m'apprenne à emmener ma moto en courbe. Dégueulasse. À emmener ma moto en courbe et tout ça, donc... Parce que je vous jure que là, vous voyez, rien que prendre ça, ça n'a rien à voir. C'est hyper particulier ce grand guidon là. J'ai encore plus l'impression d'être sur un trail. Mais ouais, les petites routes, c'est toujours plus sympa en bécane. En bagnole, ouais, tu prends la voie express parce que... Tu vas aller du point A au point B sans te casser les couilles, mais... Mais en moto, quand même. On n'est pas bien... Oh merde, j'ai oublié ma carte grise, j'y pense comme ça. Ma carte grise, elle est dans ma voiture. Bon bah... Bon bah voilà. Non. Forcément, le nouveau pot, il chante un peu moins fort, mais... Moi, je dis, bon, ça passe. Ouais, j'ai l'impression d'être encore... J'ai la même sensation au niveau du pilotage, enfin, de la position de conduite, que quand je suis monté sur le traceur d'un pote de Puma ou sur le traceur de quelqu'un. C'est exactement la même sensation, c'est-à-dire vraiment les bras bien larges. Tu sens que t'as vraiment ta bécane en main, quoi. Mais bon, moi, c'est un petit bandit. Petit bandit. Ah, t'as compris ! Excellent ! Désolé. Mais ouais, c'est la même sensation, en fait. Au niveau de l'écartement des bras, comme ça. Ah, ça braille quand même vraiment moins. Bah, le pot Suzuki, déjà, il faut savoir que ce pot d'échappement là, les gars, il a 4000 km. C'est un échappement de 96. Comme ma moto, c'est un échappement de 96. Il a 4000 putain de kilomètres. Il est neuf. Il sort des usines du Japon. Ah! J'ai pris un truc sur la visière, c'est dégueulasse. Il sort des usines du Japon et il a fait 4000 bornes et hop, démonté. Parce qu'en gros, je voulais faire rapide. Le mec à qui j'ai acheté ça, il avait récupéré un stock de pièces d'un pote à lui qui s'était planté avec un S de 96, qu'il avait acheté neuf à l'époque. Le mec s'était donc planté. Et il a dit ça me saoule de démonter, enfin de refaire la bécane en état. Et le gars, donc son S, il avait donc 4000 bornes, 4028 je crois. Donc le mec il venait de l'acheter, il venait de finir le rodage quoi. Parce qu'elle était neuve, elle sortait de chez Suzuki. Hein. Donc le mec venait de l'acheter, 4000 km, ça l'a saoulé, il l'a démonté. Et genre un jour il a dit au mec à qui j'ai acheté le pot, ouais gros, enfin, il lui a pas dit ça, mais vas-y débarrasse-moi de ça. Et du coup bah, le monsieur à qui j'ai acheté, lui, il vend les pièces, mais il les vend à un prix défiant toute concurrence. Et donc, ce pot, il est dans un état, les gars. Mais genre dessus, je sais pas si je pourrais vous montrer, j'essaierai de faire une photo plus tard. Mais il y a les gravures Suzuki, machin. Enfin, c'est un pot état neuf qui a 4000 km, quoi. C'est impressionnant. Et le mec, il avait des pièces à tire-larigot bah, de toute la moto de l'époque, quoi, le S de 96. Et il a tout stocké, machin.
Il a des bras, un bras oscillant, il a une boîte à air neuve avec le filtre à air neuf d'époque, de la sortie d'usine, un filtre à air Suzuki quoi. Enfin voilà, pour certains ça veut pas dire grand chose, mais sachez que j'ai rencontré un mec qui est passionné, qui est prof de moto, de mécanique moto, et qui a un stock de pièces de Bandit 96 d'époque neuve quoi. C'était impressionnant. Forcément en ville, ça chante moins fort. Parce que ici, je me rappelle, avant, je passais One of the Dead, One of the Dead. Voilà, là, je peux rester en fond de première, ça braille pas trop. Bon, ça enlève un peu de charme, mais. Je suis en quoi? Je dois être en 2. Ah non, je suis en première, vous voyez. Les ronds-points, j'aime pas les ronds-points. J'ai peur maintenant dans les ronds-points. Laissez-moi tranquille les ronds-points. J'ai peur. Indien. C'est joli ça. Écoutez les mecs, ça aurait été une petite vidéo. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, Maurice? Une petite vidéo rapide, mais bon, faut que je trouve où garer la moto. Mais voilà, c'était pour vous donner des nouvelles en roulant de l'état de la moto. Donc voilà, 80%. Et en gros, si je veux vraiment être pointilleux, il va me rester donc le cache de compteur. Ouais, allez les bleus. Le cache de compteur, une bulle. Ah oui, et puis carénage arrière gauche. Carénage arrière gauche et le contour de feu. Voilà. En gros, il y a encore un petit billet de 100 balles à lâcher pour tout ça. Et je pense qu'elle sera remise en état correctement. Et du coup. Les mecs, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, équipez-vous, même avec la chaleur, équipez-vous bien. Et peace les mecs, ciao! Qui ça? Ford. Bonjour. C'est à votre garage? Sur la route, à l'entrée d'un rond-point. Donc si vous pouviez dire à vos mécanos de mettre autre chose que du scotch, parce que si une moto freine dessus, le gars il se met au tas. Bah si vous pouvez leur dire qu'ils ont fait de la merde. Bah sur la contournante de Pleurmel là, qui descend à Leclerc. Bah moi si je freine là-dessus Merci, au revoir. Oh!
ton téléphone. T'arrêtes ça. Abruti. Putain. Souris à la vie.